Pour l'épisode 21 de Pokémon Ruby Destiny Life, je suis sûr que vous allez manger super bien. On se retrouve après une petite séance d'entraînement. Finalement, ça n'a pas été une grosse séance d'entraînement parce que j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé un brainfuck pour vaincre Giratina. Je ne sais pas si ça. Enfin, pour vaincre le Vastor. Je ne sais pas si ça va marcher. Enfin, pour le réceptacle. Mais j'espère que ça va marcher. On est parti. Vu que Shaymin ne veut pas m'aider, et bah écoute, je vais me battre tout seul. Hein. Ça, je l'ai bien compris. J'ai monté du coup tous mes Pokémon niveau 55, sauf un que j'ai monté niveau 50, et un autre Pokémon secret qui est ma botte secrète, une fois qu'on aura perdu Bretzel. Donc Gaïa veut se battre, Gaïa envoie le Vassal. En fait, non, je pense. Si, de toute façon, vu qu'on a mis Bretzel devant, ça sert à rien, sinon il va se faire one shot. Donc j'accélère évidemment un peu, vous connaissez tout ça. J'accélère un peu, voilà, on rabîme, ça lui fait que dalle. Voilà, toujours avec le même problème, voilà. Et vous voyez, il y a un nouveau Pokémon dans mon équipe, il y a un Absol niveau 46. Alors pourquoi est-il niveau 46 sur Absol et pourquoi j'en ai un? Eh bien, Absol, au niveau 46, a la faculté d'apprendre une petite attaque qui me permet de faire un brainfuck total. Il me permet d'apprendre Requiem. Et si Requiem y passe, j'ai gagné. Il est passé. J'ai gagné. Et là, il va être KO dans 3 tours. Et là, il n'y a plus à se battre, en fait. Hein. Il n'y a plus à se battre. Donc là, il lui reste 3 tours de jeu. Bah, du coup, on va être flash. Ah mais merde, il y a le Shadow Tag, j'avais oublié ça. Là, il n'y a plus à se battre. C'est fini. Et si vous savez comment c'est cool, mec. Oh, mais si vous savez comment j'ai trouvé cette idée, j'étais trop content. À la base, en fait, je chargeais prélèvement du destin. Et je me suis dit qu'il y avait Requiem aussi. Parce que prélèvement du destin, je savais pas si j'arriverais à le placer. Et là, quand j'ai vu Requiem, mec, j'étais refait. Il tombe à 1, hop là, c'est fini. Oh putain, et en plus, il mourra dans l'eau. Oh yes. Et c'est fini. Il arrive à 0 et il meurt. Regardez cette barre de vie descendre. Oh, regardez-moi ça. Voilà. C'était aussi con que ça, quand même. Hein. Niveau 80, j'ai jamais vu. Alors, faut savoir que moi, quand j'ai regardé des vidéos d'autres gens qui l'ont fait, eux, c'était niveau 70 parce qu'ils jouaient avec un personnage féminin. Alors, je sais pas si le niveau baisse, si tu joues avec une fille ou pas du tout. Je trouve ça un peu sexiste, mais bon, c'est pas grave. Hein. Écoutez, chacun son avis sur la question. Mais je suis content, en tout cas, de l'avoir vaincu, putain. Ah, ça fait du bien. C'est impossible. Comment sur... Non, ça ne peut pas être la fin. Je suis allé trop loin pour ça. C'est Pokémon, j'ai rêvé à propos de vivre sainement avec 100 humains. Les Pokémon ont assez souffert. Le peuple de Kanto a envoyé de nombreux Pokémon hors de leur maison juste pour bâtir une centrale nucléaire. Plus tard, ils ont juste abandonné. Et bientôt, les Pokémon ont commencé à abandonner la centrale. À prendre la centrale abandonnée comme leur nouvelle maison. Mais des années plus tard, des humains sont revenus sur ces lieux. La Team Rocket de Kanto et Johto a maltraité les Pokémon. Ils ont capturé les Pokémon pour causer du mal aux autres. La Team Aqua et la Team Magma de la région d'Oen. Ils sont allés trop loin pour détruire l'équilibre de la nature. C'est le même verbe que avec moi la dernière fois. En dérangeant les sommets des anciens Pokémon. Juste pour avoir leurs grandes ambitions. Royal Darkness. Et alors, donc ça, c'est les trucs de Pokémon Ruby Destiny 1. Du coup, celui de. Donc la Royal Darkness et la Luminous Scénariste de Gento. Leurs actions étaient. Presque sommé l'apocalypse dans la région. Ils sont aussi allés trop loin, ils ont corrompu l'esprit d'un faible Lugia. La team galactique de Sinnoh, ils avaient de grandes ambitions pour créer un nouveau monde, mais ils ont essayé de détruire le temps et l'espace. Même la Dark Organisation dans notre région, capturer Angela N, causer du chaos dans toute la région. Je pense que c'est pour ça que les Pokémon ont autant souffert à cause de ces organisations qui ne veulent seulement avoir leurs ambitions
leurs ambitions à part, enfin bref, leurs ambitions à eux quoi. Eh ben tu as tort. Même les directeurs Pokémon, il faut les blâmer parce qu'ils font s'ouvrir les Pokémon. Oui, même toi. Eh bien, déni. Sois dans le déni si tu veux, mais c'est un fait. Les dresseurs égoïstes, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire que mieux. Putain, ils se préoccupent que d'eux-mêmes. Capturer les Pokémon comme ça leur plaît, se battre contre qui ils veulent. Est-ce que tu as réalisé? Est-ce que les Pokémon t'ont demandé de les attraper? Est-ce qu'ils ont demandé de se battre pour toi? Non. Les dresseurs les capturent sans même qu'ils aient un mot à dire. Ils ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire. La famille des Pokémon capturés deviennent lonely, deviennent seuls. Bah oui. Oh, c'est Pokémon à base d'une famille et nous on les capture. C'est dingue, hein. Genre, ils m'en battent les couilles. Toute cette tristesse se transforme en colère. Et c'est pourquoi les Pokémon devraient commencer à haïr les humains et attaquer les villes. Bien sûr, les humains peuvent arrêter, n'est-ce pas? On les blâme pour nous attaquer. Mais qui? Mais ce sont nous qu'ils attaquent en premier. Et ensuite, on commence un combat, puis un autre. Dis-moi, est-ce que tu es là? Est-ce que tu n'as jamais voulu te battre toi-même? Non. Pourquoi tu devrais faire un choix? Eh bien, capture-le. Avec cet outil qu'on appelle Pokémon. Pokéball. Ça corrompt leurs âmes. Pour faire ce qu'ils veulent. Dis-moi, est-ce que c'est juste? C'est vrai que quelqu'un... Alors putain. Parfois on en capture, mais... Ils deviennent plus forts les uns les autres, mais... Qu'est-ce qui se passe si tu captures un autre Pokémon? Le chanceux comme tu es, tu l'as rejeté. Chanceux sont ceux qui sont relâchés, mais d'autres terminent dans des boîtes de storage, dans des boîtes TC. Est-ce que c'est leur nouvelle maison? Un PC? Nous les avons enlevés de leur maison et nous les avons mis dans un PC. Oh! Les Pokémon sauvages bondissent, c'est des feuilles d'attaque, hein. Ce sont leurs maisons. Bien sûr qu'ils bondissent et t'attaquent juste pour protéger leur maison. Est-ce que tu ne ferais pas pareil si un mec random rentre dans ta maison? Ah, dans mon Pokémon, en général, tu fais rien, hein, tu t'en bats les couilles. Hein. Les humains coupent des arbres, cultivent des terres, construisent de nouvelles routes, de nouveaux bâtiments. Nous amenons les Pokémon loin de leur maison. Tu sais pourquoi? Parce que les humains ne peuvent pas, refaire la face de la Terre. Les Pokémon ont assez souffert. Utiliser le pouvoir des Dieux Dragons et Giratina pour nous libérer de ce monde d'humains. Mais si le pouvoir du Reset Attack n'est pas assez fort pour stopper un simple humain, alors il faut laisser la force du Reset Attack et mes rêves ne faire qu'un. Qu'est-ce qui se passe? Pauvre mortel. Je suis le seul pour me contrôler et penser pouvoir. Est-ce que ceux qui se dressent devant moi, je vais tous les affronter un par un. Je vous remercie pour votre corps immortel. Mais j'admire votre esprit pour avoir été si loin juste pour m'arrêter. Si vous vous demandez si Shaymin pourra sauver votre petit esprit, eh bien oui, votre corps appartient toujours à Shaymin. Détruisez-moi et vous allez détruire votre propre corps. Pauvre mortel. Votre planète et vous. Na 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 na
Alors, on va peut-être mourir, hein. Mais on reste positif, avec le smile. Ah, c'est parti, Lee. En avant. Non, on va accélérer un peu le truc. Enfin, je suis de... J'aime bien la musique, mais là... Il y a Kingdom Hearts 3 qui doit être sorti d'ailleurs à l'heure où je tourne cet épisode. Donc, j'espère que vous aimez bien Kingdom Hearts 3, j'espère que vous y avez joué parce que c'est un bon jeu et j'espère pouvoir y jouer moi aussi. Parce que c'est tellement le jeu de l'année. Et Giratina est mort. Du coup, est-ce qu'on est mort aussi? Ah! T'es ma bitch! T'es ma bitch! Sale gamin! Ça fait un bout de temps depuis que Giratina a causé tellement de problèmes à ce monde. Je suis le gardien de l'ordre et du chaos. Je suis. Le gardien de la porte de la tour du destin. C'est la tour qu'on a croisée quand on allait à la truc d'ON, enfin le truc à la Ligue des Bars, pardon. Ouais, il y a un peu de trucs. Bon. Je suis K-Omega. K-Omega qui est déjà apparu dans un des Pokémon Ruby Destiny. Je ne saurais vous dire lequel, mais il est déjà apparu dans l'un des Ruby Destiny. Ou alors il est apparu dans celui-là. Ah oui, on a parlé de K-Omega. Maintenant que Giratina est tombée, il est l'heure pour moi de séparer les deux timelines. Dans ce cas-là, Giratina va encore être piégée entre les dimensions pour toujours. Le processus va être un peu difficile, mais je vais redonner l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a, gamin? Tes yeux me disent quelque chose que j'ai besoin de savoir. Parle plus fort! Qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Quoi? Tu veux dire que mélanger les timelines ne peut seulement que renforcer Giratina? Tellement de possibilités, tellement d'histoires à croire, impossible à croire. Mais tes yeux, j'ai l'impression qu'ils disent la vérité. C'est ce que tu as dit est vrai, alors il ne faudra pas faire ça. Bien. Alors je vais éliminer cette timeline. Je suis désolé, gamin, mais votre timeline ne devrait pas exister dans un premier temps. Cette timeline a été accidentellement créée il y a bien longtemps. Et maintenant, c'est l'heure de mettre fin à cette fausse réalité. Ah, Omega, tu as été parfait, merci. Giratina est faible maintenant, mais toi, tu es parfait. Tu seras mon nouvel hôte, viens avec moi, Omega. Oh. Oula, putain. Mais quel retournement de situation, ça c'est les yeux qu'on voyait dans le truc. Quel retournement de situation à chaque fois, putain, mais il n'y a jamais trop d'ennemis. Omega, il est méchant, mais en même temps il est gentil, tu vois, c'est bizarre, c'est un mec bipolaire. Combien de décennies sont passées depuis ce jour où tu es venu, hein? Qu'est-ce que tu es? Moi, tellement de tempérament. Mais ne t'en fais pas, bientôt tu seras bien comme mon Giratina. Giratina, c'est nul. Comme mon Giratina. C'est un piège, va-t'en ici, K-Omega. Quoi? Va-t'en, juste va-t'en. Ah. Non, ne t'en va pas. Non, Giratina, quel idiot. C'est pas grave, je vais utiliser ce gamin alors. Le gamin qui t'a battu. Je suis sûr qu'il fera un excellent réceptacle pour moi. Mec, on t'a vaincu 200 fois, on peut le refaire, hein. Zah. Mec, on va refaire la même technique. Je t'assure qu'on va refaire la même technique. Je crois que c'est vraiment ça qu'il fallait faire. Pour moi, c'est vraiment cette technique qu'il faut faire, hein. Pour moi, c'est clairement la technique que j'ai utilisé avec tout le monde qu'il faut faire. Est-ce que je peux switch? Non. Bon bah du coup j'accélère le temps qu'on puisse retourner à quelque chose de bien. Il va tout le temps faire recover. Flamethrower, ok. Tue-nous! Hop, la femme Ofa. Perry Song. Ah bâtard. Ok, ça tombe bien, j'ai des revives. J'ai pas de revive. Ah, c'est la merde là. Ah, j'avais pas prévu ça.
Oups. On va peut-être mourir. Oh merde. Oh non, mais comment on pue la merde. On n'avait pas prévu. Oh, on peut pas s'échapper. Ah bah oui, moi je me suis dit, oh wesh, on s'échappe et tout. Est-ce qu'on peut s'échapper? Ah non, il y a Shadow Tag. Crunch. Bon, c'est un peu la merde là. Hein. C'est même beaucoup la merde. J'aime bien la merde là. Il m'a one shot mon Absol. Putain, il m'a niqué toutes mes chances de gagner. Et en plus, on lui met que dalle en termes de dégâts. Oh là 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 là, on se fait pisser, on se fait pisser dessus. Moi, je recommencerai les combats évidemment, ne vous inquiétez pas, je recommencerai les combats. Bon. Et bon, on est reparti pour commencer les combats, hein, parce que je vais commencer les combats tout seul. Et puis, je vous retrouve une fois que tout est terminé. Je lui ai placé, du coup, le petit Requiem des familles. Bon, toi, tu vas tuer Fala Famosa, ok, ça c'est bon, on a compris, hop là. Mais vu qu'il a été placé, qui c'est qui va prendre l'XP? Bah, c'est le Clos qui l'a pris pour Giratina, donc c'est le Clos qui va prendre pour Zah. Et t'es mort. Mec, enchaîner 3 niveaux 80, fallait avoir des Pokémon d'un niveau, mec, mais des... Mais niveau 80, quoi, parce que sinon c'était impossible à faire. Hein. Voilà, j'adore, mais ça c'est un truc que je ne m'lasserai jamais de voir. Voir un Pokémon à qui je ne mets aucun dégât, voir tous ses PV tomber d'un coup, c'est 11 XP, ma gueule. Non, non, c'est impossible. Je suis battu, non, non. Je peux bouger, encore une fois. Ma tête. Finalement, je peux bouger. Je te remercie pour ton aide, petit. Giratina. Avec Wadza, stop. Il n'y a plus aucune négative énergie de Giratina maintenant. Explique-toi. Il y a des années, il était le temps dans la région était séparée dans deux îles. Chacune des îles avait un empire. Et il y a eu une guerre entre ces deux empires. Cette guerre a été causée à cause de plusieurs souffrances. La souffrance, tout ça, enfin, a causé plusieurs peines, quoi. Donc la souffrance, la perte, toutes ces émotions négatives ont donné naissance à Zah. Il est né de la négativité. Il est né dans mon monde et a pris facilement possession de moi. Après ça, il est arrivé dans un autre monde et a consumé absolument tout le monde avec la ténèbre. Est-ce que tu dis que pendant toutes ces années, tu as été possédé par quelqu'un qui s'appelait Zah? En effet. Attendez, l'histoire que tu nous dis, c'était dans l'époque où tu es la première fois apparu et tu as noyé tous les chevaliers dans le Eastern Island. Oui. Si tu t'en souviens, alors tous les quatre avec O et Lugia, vous m'avez stoppé. Brizerna, tu m'as laissé le loin dans un autre monde. Excusez-moi, mais je dois aller voir Kao Omega. Donc, c'est fini? Oui, ça l'est. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La paix est finalement revenue. Ah oui, cher traîneur, cher dresseur, à propos de tes amis, tout va bien, ils sont de retour à la surface. Le Dragon Castle a été détruit il y a longtemps. Mais pour aucune raison, nous l'avons fait revenir dans le ciel maintenant. J'ai besoin de retourner dormir, moi. J'ai besoin de voir April. Nicolas. Toi, rencontre Kao Omega à l'intérieur de la tour du destin et voir si tu peux retrouver ton vrai corps et si tu peux avoir que Shaymin revienne. Oui, Kao Omega peut être télé, chien dresseur. Bien. Alors, vas-y. Nous allons t'amener avec cette floating island. Nous allons te ramener au sol. Oh, c'était le combat de la Ligue, là ? C'était nul à chier. Hein. Si ça, c'était la fin. Moi, je vous avoue que tout ce que j'ai fait, c'est compter sur un Absol qui... C'est de la triche ce que j'ai fait, on est d'accord, hein ? C'était clairement de la triche ce que j'ai fait. Je me suis donné la victoire. C'est vraiment con.
Mais voilà, je suis le League Champion. Quoi? Mais c'est pas possible. Foutez de ma gueule. Ça peut pas se finir comme ça. Non, 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 c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini là. Non, 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 mais oh, c'est quoi ce crédit là? Oh, les mecs, vous avez craqué. Destiny Jagold qui a fait un énorme taf. Spriter. Il y a Spriter aussi en fait des bons tafs parce qu'il y a eu des, bons, il y a eu des nouveaux sprites. Allez, vous déconnez les mecs, oh! Je m'arrête pas là-dessus moi, oh! Non, non, non! C'est tous les Pokémon qu'on a attrapés, c'est pas ouf. Je crois qu'on les a tous, vus. C'était pas beaucoup, ils étaient Crossle, Kamina, Samson et comment il s'appelle, putain? Et Destiny Jagold à faire ce jeu, ils étaient 4. Et c'est une tuerie. Mais par contre, c'est pas fini là. Hein. Et oh, les mecs. Non, c'est pas fini. Hein. C'est clair, on va finir. Destiny Jagold qui a fait des trucs de fou. Hein. Destiny Jagold, c'est un malade. Il s'est gavé. Avec Pachirizu. Alors, peut-être que je vous expliquerai pourquoi j'aime autant Pachirizu. C'est pas fini, mec. C'est pas, ça peut pas être fini. Non, non, non. J'y crois pas. Game Mapper. Ah non, ils étaient 5. Allez. Non, ça peut pas être fini, ça peut pas être fini. Non, non, non. J'accepte pas. Allez. Je veux pas que ça soit fini. Je sais qu'il y a encore plein de trucs à tout à faire, mais... Ça peut pas être... l'histoire peut pas être finie quoi, ça peut pas être genre le mec se barre et c'est fini quoi, non. Ah, je serais déçu. Oh non, je serais déçu mec. Il y a encore des trucs à faire, ça peut pas être terminé. Ou alors il y a un 4 qui est sorti, je suis pas au courant. Parce qu'il date de il y a longtemps quand même à Ruby Destiny, hein. J'ai joué il y a 2 ou 3 ans. Quand j'arrivais pas à le terminer. Non, ça peut pas être terminé. Mec, il y a encore plein d'endroits que j'ai pas visité et tout. Non, 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 mais mec. On propose même d'aller à Gento, c'est pour te dire comment le jeu est pas fini. Merci. Merci à tous ceux qui ont joué ce jeu et merci à tous ceux qui l'ont vu en tout cas ce jeu avec moi. Mais j'ai pas fini, j'ai clairement pas fini. C'est pas possible. C'est pas possible. The end. Non, non, c'est pas la fin, mec, t'as craqué. Ring Leaf Town. Je sais pas à combien de minutes de vidéo on en est, mais je pense que vous voulez tous qu'on aille à la tour du destin, donc on va y aller. On a même pas fait la ligue, il nous manque un symbole. Ça peut pas être terminé comme ça. Je comprends que l'histoire avec les méchants elle est finie. Mais moi il me reste la ligue à faire. J'ai encore la ligue à me chier dessus moi les mecs hein. La tour du destin, c'est par là. Ça peut pas être terminé. En tout cas, sympa. Ça donne envie de savoir un peu plus ce qui s'est passé avec Giratina et tout. Hein. Franchement, ça donne envie de savoir. Hop, Tower of Fate. Et du coup, c'est pour ça que je ferai les autres Pokémon Destiny. Hein. Donc la tour a vu absolument tout ce qui s'est passé dans mon domaine. La tour est mon domaine, du coup je vois absolument tout ce qui se passe. Je te salue Dragon. C'est ici que les timelines se rencontrent. Et je suis leur gardien. Est-ce que tu es là pour rencontrer Giratina? Si c'est ça, tu viens juste de le manquer. Giratina est retournée à la Shadow Valley pour essayer de garder les ténèbres sous contrôle. Tu aimerais peut-être y aller et rencontrer Giratina là-bas. Ok, bah direction à Shadow Valley.
direction de la Shadow Ball et moi ça me dérange pas. Ce que je veux c'est retrouver Shaymin, mec. Hein. Tant qu'on n'a pas Shaymin dans notre équipe, on s'arrête pas. Attendez. Idée comme ça. Juste comme ça. Ça sert à rien de me dire ouais, Shaymin c'est ton gardien de Pokémon si je garde jamais Shaymin avec moi. Salut Kevin. Je dis, regarde, qu'est-ce que tu fais? Moi, tu sais, je gagne un œil. Tu veux te battre? Non. Ah, dommage. Tu veux te battre, non? Attends. Well, Life of Guardian Story est maintenant terminé. C'est pour moi de me reposer. C'était pas simple de te coincer ici et bien plus tard. Craquer les mecs. Oh c'est une dragon, avant que tu fasses quelque chose, j'aimerais que tu arrêtes de m'appeler Light. C'était juste un nom de code quand j'ai mon vrai nom c'est Jude. S'il te plaît maintenant appelle-moi par mon vrai nom. J'aimerais vraiment apprécier ça. Est-ce que tu veux te battre? Non? Ok, salut. Attends. Mais tu fous de ma gueule. Non, attends. Non mais attends. Non, c'est pas possible. Tu peux pas me donner un bon scénar et me chier à la gueule. Attends. Non mais mec, j'y crois juste pas. On va affronter la Mineral Cave, du coup je vais avoir besoin de flash. Donc soit je reprends mon ancien Pokémon. Non, ça c'est Strength, ça c'est Flash, utilisé. Est-ce que tu peux l'apprendre? Tu peux l'apprendre, oui. Enfin ça, tu vas donc devenir mon 6ème Pokémon. Même si tu n'apparais pas dans le layout, hein. Faut pas déconner. Bite, Shadow Ball. Ouais, morsure, ça dégage. Et apprends Flash, c'est cool. Mec, ça peut pas être la fin. C'est l'épisode final, mais mec, je suis tellement deg. Pour moi, j'ai fini l'histoire, mais j'ai pas fini le jeu. En tout cas, parce que je commence un petit peu à vous parler à vous, le jeu était sympa. Si le jeu... Voilà, je ne voulais pas bugger, mais ça c'est mon émulateur. Le jeu était cool, franchement je me suis bien éclaté sur ce jeu. Il avait un scénar qui était pas dégueu. Avec la Dark Organization. La Dark Organization était un peu longue au début, je vous avoue que c'était pas un truc qui m'avait forcément plu. C'était juste la Team Rocket qui faisait n'importe quoi et c'était marrant. Et ça a commencé vraiment à me plaire au moment où... on est arrivé plus dans le côté de la Team Earth, parce que là on était sur des gens qui faisaient des vrais méfaits, des vrais crimes. Et là on était vraiment sur le... On était plus dans le Pokémon sympathique et tout. On était sur du vrai Pokémon bien vénère. Un truc... Mais t'es qui toi pour me couper la parole? Un truc beaucoup plus vénère qu'avant. Et moi je trouvais ça quand même assez sympa comme concept de voir un Pokémon où on affronte des vrais méchants, on n'affronte pas un mec en mode « Oh là là, moi ce que je vais faire c'est rendre les Pokémon libres !» Bah, en vrai, à la fin, c'est ça, mais c'est tellement beaucoup plus stylé. Mais donc, voilà, du coup, je trouve ça juste un peu dommage que ça s'arrête là. Donc, j'aimerais vraiment pas que ça soit la fin. J'aimerais vraiment pas que ça soit la fin, mec. Si c'est la fin, mais c'est... Je tape un scandale. Je tape un scandale. Non, mais je vous le dis, hein, je tape un scandale. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est aller là, hop. On met là-dedans. Hop, par contre ça lag beaucoup le jeu. Mais vous êtes qui vous putain? Mais vous avez spawné quoi. Un sécateur. T'es mort. Hop, Ox, t'es mort. Hop, allez. Oh Rabim. Putain, bouge. Oh mais tu te détestes mais tellement. Oh Rabim, t'es mort. Voilà, nickel. Et Sizer est mort.
Ok, toi t'es mort. JB Crossel, il est plus là. Évidemment, l'autre il est en pause déj. Par contre, je sais plus du tout où est-ce qu'on était parti. Hein. Flash. Me semble-t-il qu'on avait pris le chemin par là. Et là, il n'y avait rien. Non, c'était là-bas qu'il n'y avait rien. Hop, un super repos, s'il te plaît. On retourne à la Shadow Valley. Hein. Parce que moi, on m'a dit oui, libère Shaivin. Alors moi, je veux bien. Mais pour ça, il faut me dire où est-ce qu'il faut que j'aille, les mecs. Il faut m'aider, faut pas me lâcher comme un con. Voilà, vous m'avez aidé. Bah maintenant, vous m'aidez jusqu'au bout, quoi. Surtout que, mec, il y a des endroits que je peux pas accéder parce que bah, j'ai pas cascade, quoi. Bon, il y en a un, mais c'est important, cascade. Je trouvais ça tellement injuste, mec. Si le jeu, il s'arrête maintenant, mais je trouvais ça tellement injuste. Alors que le mec a juste fait son jeu, hein, mais je trouvais ça tellement injuste. Pour les gens qui ont joué le jeu, tu vois, les gens qui ont vraiment joué le jeu, je trouvais ça tellement injuste. Après, je vous avoue que j'ai regardé des DLP hein, pour voir si eux ils se sont arrêtés là, mais il me semble que non. Hein. Eux ils se sont pas arrêtés là. Ils ont fini l'histoire, ils ont pas fait que ça. Hein. Il me semble qu'il y a une ligue. Hein, si je vous dis pas de conneries, il me semble qu'il y a une ligue Pokémon quand même. Hein. Parce que le but d'un Pokémon, c'est quand même d'avoir une histoire, tu vois, une bonne histoire qui tient là, ou d'avoir des balles déjà à avoir. Et là, on les avait tout ça, on avait tout ça, on était contents. Et là, tu sais pas pourquoi, ils se sont dit, bon les mecs, on fait que l'histoire. Bah ouais mais non. Non c'est que pour faire l'histoire mais que ça sert à rien. Après je vous avoue que j'ai quelques pistes hein. Je me dis que vu que le chef de la team Rocket, enfin team de la Dark Organization, c'était le maître de la 8ème merde putain de l'arène. C'était le maître de la 8ème arène. Je me dis que si on va le voir, est-ce qu'il nous donne le 8ème badge après pour faire la ligue, tu vois. Ouais, il y a quand même quelques trucs qui se posent quand même question. Voilà, je réfléchis un peu. Hop. Le mec est quand même en prison. Quoi, ça serait bizarre qu'il me donne un symbole en prison. Tu l'as eu ce badge? Bah en prison. Ok. On y est. Dans le Shadow. Si on retourne là-bas, on devrait trouver normalement Giratina. Et pas Giratina comme j'ai dit. Putain mec, je m'en veux tellement d'avoir dit ça tout à l'heure. Putain, c'est par où ta mère? Par là. Je trouvais. Le là. Tu es venu, justement. Je voulais te dire que je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait dans cette région. Eh bien, j'ai été comme possédé par Zda. Je ne pouvais pas me battre. Je pense que tu es assez fort pour récupérer le corps de Shaimin et ton âme dans le vaisseau que Gaïa a fait. Bien, je suis désolé pour ça. J'ai préparé de quoi te donner ton. De quoi te rendre ton corps à Shandragon. Ah, c'était beaucoup plus douloureux que ce que j'avais pensé. Dragon, encore une fois, je suis serein, je suis désolé. J'espère que je ne deviendrai pas. Je ne recommencerai plus de faire ça. En tout cas, je vais retourner dans le temps de World maintenant, dans le monde distorsion. En tous les cas, Dragon, j'espère que nous reverrons un jour. Oh, au fait, je restaurerai Shaimin maintenant que tu pourrais utiliser ton propre corps. Ouah, maître, je suis de retour. Mais comment c'est possible? Ah, oui, je me souviens, j'étais en train de vous prévenir de ce qui allait passer en utilisant mon corps et. Est-ce que Giratina est. Oh, oublié. Je remercierai Giratina plus tard. Maître, que vous vouliez ou non, je vais vous accompagner maintenant. Vos aventures sont vraiment excitantes et je veux avoir plus d'expérience avec vous. Il faudrait mieux me prendre avec moi.
Et là, vous l'avez vu ou pas? Il est tout en bas. Et le voilà, notre dernier Pokémon. Ah, putain! Putain de sa mère! Où est-ce qu'on va s'arrêter? Où c'est symbolique? Bah, il y en a eu Barnaton. Putain de sa mère! C'est pas fini. Il y aura un dernier épisode. Mais l'épisode 21 est l'avant-dernier épisode de Pokémon Ruby Destiny. La fois, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous devez faire. Hein. Vous devez me le dire en comment. 5. Niveau 5. C'est bien parce que t'es un putain de Shaymin, mais putain, niveau 5, tu te fous de ma gueule. Tout ça pour un niveau 5. Summary. Bretzel, Shaymin, Razor Leaf, putain, pour ça quoi. Lee, Flash, la flamme et l'eau classe. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je sais pas si le prochain sera l'épisode final, mais il y aura un épisode 22, c'est sûr et certain. C'était ça, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un like, à mettre un énorme pouce bleu et à parler de la chaîne autour de vous parce que là, cette série est bientôt terminée. On va en attaquer une autre très bientôt. C'était Dragon Sans Suite, j'espère que cette série vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye!